va dormir. T'es là, tu. Demain, tu te lèves tôt. T'es bête, toi, quoi. Va dormir! Dans laquelle on peut voir une appel manqué par Kaina, et la réponse de Booba était casse-toi. Puis Cop, il a partagé le reste de leur conversation avec un message à Cynic. Il a dit 4h50 du matin en France, à mon avis, elle est bourrée. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées. Alors n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous, les gars. Kaina Samet essaye de féliciter Booba pour son album, le Deus Ex Mortal. Ce vendredi 9 février, Booba fait son grand retour avec un nouvel opus, intitulé Ad Vitam Aeternam, un album très attendu qui rencontre un réel succès, avec un démarrage de plus de 3,5 millions de streams sur Spotify en 24 heures. Ça qui a rendu tout le monde d'accord sur qui est le patron du rap français. À part le nombre des personnes clashées dans cet opus et les gens qui l'ont critiqué, il y a beaucoup de gens au milieu du rap ont validé ce projet. Comme le cas avec Kaina Samet, qui a tenté de se rapprocher de Booba en le félicitant pour sa réussite malgré leur désaccord. Mais le DUC n'a pas hésité de la recaler dans une conversation qu'il a partagée sur sa story, dans laquelle on peut voir une appel manqué par Kaina, et la réponse de Booba était casse-toi. Puis Cop, il a partagé le reste de leur conversation avec un message à Cynic. Il a dit 4h50 du matin en France, à mon avis, elle est bourrée. Cynic vient la chercher. Alors qu'est-ce que vous en pensez les amis? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les gars.